Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. بسم الله. والصلاة. والصلاة. والسلام. والسلام. على رسول الله. رسول الله. اللهم. اللهم. افتح لي. أبواب رحمتك. Donc aujourd'hui, les enfants, nous allons parler de la sourate la plus importante du Coran. Alors déjà, qui sait qu'est-ce que le Coran? C'est quoi le Coran? Oui, Jenna. Alors, tu peux venir comme on t'entend mal, viens ici et tu vas pouvoir répondre, donner la réponse que tu as dit. Viens, Jenna. On écoute, Jenna. Alors, c'est quoi le Coran? La parole d'Allah. Plus fort? La parole d'Allah. Exactement. On répète, le Coran? C'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah, subhanahu wa ta'ala, il est tout en haut, regardez tout en haut. Allah, azza wa jalla, il est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône. Il a un trône immense et Allah, azza wa jalla, il voit tout, il sait tout, il entend tout. Il contrôle tout, il gère tout, mais nous, on ne le voit pas. Parce que personne n'a déjà vu Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est que quoi? Il est invisible. Non, c'est pas pour ça. Et lorsque l'on sera dans le paradis, on pourra voir Allah, tabaraka wa ta'ala. Et là, on ne le voit pas, comment on va faire? Ben, parce qu'Allah, il va enlever le voile de lumière qu'il y a entre lui et ses créatures. Et nous? Et là, exactement. Et là, comme Allah, Azza wa Jal, il va nous permettre, il va nous donner la capacité de le voir, on pourra le voir. Dans ce cas-là, on pourra voir Allah comme si... Tu as vu comme quand tu regardes la lune? Oui. Qui a déjà vu la lune quand elle est toute ronde? Qu'on appelle El Badr, la pleine lune. Levez la main. Tu n'as jamais vu la lune, Noam? Bah, la pleine lune, non. Tu n'as jamais vu la pleine lune? Moi, je l'ai ben, tous les mois, pendant 3 jours, tous les mois, on peut voir la pleine lune. Moi, j'avais d'accord, regardez, la lune. Là, on voit déjà, on voit le croissant de lune. Oui, est-ce que vous le voyez? Oui. Eh bien, Inch'Allah, au prochain cours, la semaine prochaine, on pourra voir la lune en entier, toute la lune. Quand tu regardes la lune, t'as vu avec tes yeux, quand tu regardes ta lune, quand tu regardes la lune, pardon, est-ce que c'est difficile pour tes yeux? Non. Non, tu la regardes normalement. Eh bien, Yawm al-Qiyama, au jour de la résurrection, et dans le paradis, on pourra voir Allah, tabaraka wa ta'ala, et tu n'éprouveras aucune gêne de le voir. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah, il nous a parlé. Allah, il nous a révélé son livre, le Coran. Et dans le Coran, retenez, faites un 3 avec votre main. Je vais vous expliquer les 3 choses importantes que l'on retrouve dans le Coran. Qu'est-ce qu'Allah, il nous dit dans le Coran? Premièrement, Allah, azza wa jal, dans le Coran, eh ben, il nous parle de lui. Dans le Coran, on sait comment Allah il est. Qui est le plus grand? Allah. Qui est le plus fort? Allah. Qui est le seul qui mérite d'être adoré? Allah. Quand je fais la prière, je la fais pour Allah. Quand je jeûne pour Allah. Tout ce que je fais, je sais qu'Allah tabaraka wa ta'ala me surveille tout le temps. Donc, dans le Coran,
j'apprends à connaître qui est Allah. Okay. La deuxième chose, les enfants, c'est que dans le Coran, Allah, il nous parle de ceux qui sont passés avant nous. Il nous parle des prophètes. Oui. Des prophètes, un prophète, c'est un homme, oui, un être humain, oui, qu'Allah a choisi pour transmettre son message. Qui connaît le nom de certains prophètes? Oui, Qaïs? Moi, je connais le nom de l'ange Gabriel. Alors, l'ange Jibril, c'est pas un prophète. Moi, j'ai posé la question de savoir qui connaît un prophète. Oui, Lou Jane? Très, très bien. On répète. Noah. Noah. Alayhi salam. Qui connaît un autre prophète, Ayoub? Alors, très bien. Mohammed. On répète Mohammed. Sallallahu. Sallallahu. Alayhi. Alayhi. Wa sallam. Wa sallam. Qui connaît un autre prophète? Oui, Safiya. Très très bien, le premier prophète, on répète Adam. Adam. Alayhi salam. Qui connaît encore un prophète? Oui, Tasnim. Et aussi, en plus, on peut mourir. Eh ben, on peut mourir parce qu'après, on peut voir Allah aussi. Oui, mais moi, je t'ai demandé, qu'est-ce que tu connais le nom d'un prophète? Ton petit frère. S'appelle Junaid. Oui, donc ton grand frère alors. Comment il s'appelle ton grand frère? Ibrahim. Ibrahim, ton grand frère Ibrahim, il a le même prénom qu'un prophète qui s'appelait Ibrahim. Répétez. Moi j'ai un petit frère. Alayhi salam. Sulaiman. Est-ce que tu connais le nom d'un prophète? Vas-y, je t'écoute. Exactement comme ton prénom, le prophète Sulaiman. On répète Sulaiman. Sulaiman. Alayhi salam. Alayhi salam. Younes ou Younous. Est-ce que tu connais un prophète? Non. Non, on l'a déjà dit, mais il y a un prophète qui s'appelait comme toi ou toi, tu as le même nom qu'un prophète. Est-ce que tu sais comment il s'appelle ce prophète? On répète Younous. Younous. Alayhi salam. Etc. D'accord les enfants, comme Ayoub, tu t'appelles Ayoub, il y a un prophète qui s'appelle Ayoub, alayhi salam. Donc, dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle des prophètes et de ceux qui sont passés avant nous. Oui. Également dans le Coran, Allah il nous parle de gens méchants qui sont passés, qui sont venus avant nous. Qui connaît des gens méchants qu'Allah nous a cités dans le Coran? Très méchant. Oui. Shaitan. Alors le shaitan, très bien, il est méchant. Celui-là, c'est le plus méchant. Ensuite, Qaïs. Avant, shaitan, c'était un prophète. Ah non, shaitan, c'était pas un prophète. Non, mais avant. Non, même avant. Shaitan, ça n'a jamais été un prophète. Parce qu'on a dit un prophète, c'est un être humain. Shaitan, c'est pas un être humain. Shaitan, c'est un djinn. Répétez un djinn. Djinn. Un djinn, c'est une créature que nous, on ne voit pas, mais eux, ils nous voient. Mais Shaitan, avant, il a fait, pendant un moment, il a fait du bien. D'accord? Il a fait du bien, mais ensuite, il a refusé d'obéir à Allah. Il a désobéi à Allah. Et Allah, Azza wa Jal, il l'a chassé du paradis. Allah, il l'a chassé du... paradis! Allah, Azza wa Jal, il l'a chassé du paradis. Également, qui connaît quelqu'un de méchant qu'il a été cité dans le Coran? Le pharaon. Répétez, Pharaon. Le pharaon. Le pharaon également, c'est un homme méchant qui a fait du mal sur terre. Également, Allah il nous a parlé de Abu Lahab. Répétez, Abu Lahab. Abu Lahab, il était méchant et il a fait du mal au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah, il a dit Tabbat yada Abi Lahab. Et bien cette sourate, elle parle de Abu
Lahab, etc. Également, la troisième chose que l'on trouve dans le Coran, c'est qu'Allah, dans le Coran, il nous donne des ordres et il nous interdit des choses. Il y a des choses, on est obligé de les faire. Qui sait ce que l'on est obligé de faire, ce qu'Allah nous a rendu obligatoire dans le Coran? Oui, Jenna? La prière. Waouh, c'est tellement beau ce que tu viens de dire, exactement, ma princesse. La prière. Allah, il nous a ordonné de faire la prière au moment où j'ai 7 ans. Ah oui, regardez. Qui sait comment on dit une montgolfière en arabe? Non. Alors répétez, on dit mintad. 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 Exactement. Oui, Loujain. Qu'est-ce qu'Allah nous a rendu obligatoire dans le Coran? De donner aux pauvres de la nourriture et de l'argent pour acheter. Très bien, masha'Allah, nourrir les pauvres et notamment donner la zakat. Oui? De lire le Coran. Lire le Coran, très bien. Oui, Qaïs? Alors là, nous on dit qu'est-ce qu'Allah nous a rendu obligatoire. Maintenant, on va passer et on va écouter ce qu'il a dit, Qaïs. Qu'est-ce qu'Allah nous a interdit dans le Coran? Alors, qu'est-ce que tu as dit? Ne pas manger du khinzir. C'est quoi le khinzir? Répétez le khinzir. Répétez, el khinzir. Le khinzir, exactement, c'est le cochon. Alors, est-ce qu'on peut manger le cochon? Non. Est-ce qu'on peut manger le petit cochon? Non. Non. Qu'est-ce qu'Allah nous interdit encore dans le Coran? Oui, Ayoub? Une chose que l'on ne peut pas faire. Oui, Noam. Gros mots. Alors, avoir de mauvaises paroles ou voler ou mentir ou ne pas avoir un bon comportement envers mes parents. Toutes ces choses-là. Également, ne jure pas par autre qu'Allah. Très, très bien. Toutes ces choses-là nous ont été interdites par Allah dans le Coran. Donc, on va s'arrêter pour cette première leçon. D'accord, les enfants? On va s'arrêter pour les premières leçons, d'accord? Et là, nous allons ensemble faire la prière. Qui aime bien faire la prière? Levez la main. Comme la dernière fois. Exactement. Et lorsque je fais la prière, je dois me concentrer. Et je dois savoir qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, m'entend. Il me surveille. Et je vais faire la prière pour aller au paradis. Et je vais faire la prière pour voir Allah au paradis. Et je vais faire la prière pour demander ce que j'ai besoin à Allah. Et je vais faire la prière pour qu'Allah me pardonne tous mes péchés. Qui veut se lever pour aller faire la prière avec nous? J'entends pas. Masha'Allah, très très bien. Homo et la salat. Levez-vous, on va faire la prière.